Salut les gars, il faut partager cette vidéo. J'ai pas dormi toute la nuit, j'ai eu des révélations. J'ai compris beaucoup de choses sur cette arrestation de Junior Ngombe. Le petit là était un génie. Le petit là était un génie. He was a genius. Le petit là a vu les choses que nous, les grands bavardeurs sur les réseaux sociaux, on n'avait pas vu. Et ce qui est dommage, on peut chasser ce petit. On ne voulait pas de lui. Et c'est ça qui a poussé à son arrestation. Je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Mais je veux coder, puisqu'à ce moment, il est en danger. Et le mécanisme, la machine de la conservation du pouvoir à Yaoundé avait étudié ce petit. Et ils ont compris les choses que nous, on n'avait pas compris parce qu'on était dans une histoire de fanatiques, de partis politiques. On pourchassait ces petits parce qu'on disait qu'ils n'étaient pas clairs, que les mouvements n'étaient pas clairs. Petit, tu adhères à quel parti politique? Vous êtes dans quel bord politique? Vous soutenez votre leader, c'est qui? On était dans ça et ça poussait le petit à l'erreur. What have you not understood? Et ça poussait le petit à l'erreur. Dans cette dernière vidéo, avant-dernière vidéo, le petit manifestait déjà son amour pour un parti politique, pour un homme. C'est ça qui a poussé sa chute. Alors que le petit avait déjà programmé sa chose, il savait exactement ce qu'il fallait faire pour faire partie de ce régime. Nous, les papas, on est bêtes, on n'a rien compris. On le chassait, il fallait préserver ses petits. Il se peine aimé. Il fallait préserver ses petits, on n'a rien compris. Non, comme il est. Voilà pourquoi je ne suis pas toujours d'accord avec ceux qui veulent toujours dicter. Vous combattez la dictature, mais vous voulez dicter les gens. Ils doivent vous prouver de quel bon parti politique, de qui sont adhérents, à quoi laisser les gens mener les combats pour chasser ces régimes. Le petit avait déjà tout calculé, savait ce qu'il fallait faire exactement pour faire partie de ce régime. Mais il serait en train de coder les choses. Il serait en train de coder les choses. Il ne peut pas dévoiler tous les secrets. Ce que moi j'ai analysé. J'ai écouté les différentes vidéos. J'ai écouté même la vidéo de Vassero hier soir, un petit parti d'où Vassero disait. Mais pourquoi il y a les gens qui dénoncent, qui sont des gens qui sont toujours dans les papas qui sont toujours dans les plateaux télé, ils dénoncent, ils parlent bien doit partir, bien c'est la malchance du Cameroun, bien et ceci, cela. On parle de Boris Kaboul, on parle de tout, mais ces gens-là, on ne les a jamais interpellés. Vassero lui-même se posait les questions. Il se posait les questions. Pourquoi c'est le petit-là qu'on est parti récupérer? Après ça, je allé dormir, mais je n'ai pas pu dormir. J'ai dormi qu'une heure de temps. Parce que quand il commence à voir les révélations qui pouvaient aboutir à quelque chose et que ça n'a pas réussi à cause de nos erreurs, à ce moment-là, je n'arrive plus à dormir. J'ai vu beaucoup de choses que le petit connaissait que nous, on n'était même pas au courant. Il avait compris des choses. Voilà pourquoi le système. Le mécanisme de la conservation du pouvoir s'est concentré sur ce petit pour mettre la main sur lui. Dans cette dernière vidéo, le petit a commencé à vouloir démontrer son amour qui était dans son cœur caché pour un parti politique juste pour vous convaincre que le mouvement était un mouvement sérieux pour le changement, que c'était un mouvement authentique. Il a commencé à démontrer son amour pour un parti politique. Et c'est d'où vient sa chute. Alors qu'au début, le petit disait, nous voulons encourager les gens, les enfants, la jeunesse à aller s'inscrire sur la liste électorale. Mais pour que ça se passe, nous allons créer un petit groupe. Et dans ce groupe, on va faire ceci, cela, on va faire ceci, cela. Le petit était un wise man, un génie. He was a genius. Qui comprend même ce que Sanchez dit?
On a chassé le petit là. Ils ont mis la main sur lui facilement. On pouvait protéger ces petits. Ces régimes ne pouvaient même pas imaginer la façon dont on négligeait ces petits sur les réseaux sociaux. Ces régimes ne pouvaient même pas imaginer que si on mettait la main sur ces petits, c'est que si eux ils mettaient la main sur ces petits, ça allait faire autant de bruit comme ça fait aujourd'hui. Mais la seule erreur que ce régime a fait, c'est parce que, ou bien la seule erreur que ce régime a commis, c'est parce qu'ils ont d'abord mis la main sur Romain Kota. Et ça a attiré les intentions des Camerounais qui attendent. Les gens là vont nous prendre un à un. Si on mettait d'abord la main sur ces petits, et après 6 mois, ils attendaient même 6 mois pour mettre la main sur Romain Kota, ça n'aurait pas fait autant de bruit. C'est parce qu'on a d'abord pris Romain Kota. C'est là-bas que l'erreur est venue. Puisque le petit était négligé par nous. Parce qu'on disait que moi, on ne comprend pas son truc, ce n'est pas clair. Alors que le petit avait un programme très très précis. Est-ce que vous vous êtes déjà posé les questions une fois? Pourquoi les cartes d'identité ne sortent pas? Mais par contre, le passeport sort. Pourquoi il y a les VIA qui parlent sur les plateaux télé depuis les années? Et le gouvernement n'est pas si inquiété. C'est parce qu'ils sont dans une catégorie de personnes. Ils sont dans une catégorie d'âge. De l'âge. De 37 ans jusqu'à 100 ans. Ce sont les gens-là qui les écoutent. Et ces gens-là ne sont pas les âmes fatales. Le petit était dans une autre catégorie. Et cette catégorie-là, ça devait rassembler les gens pour aller s'inscrire pour les listes, sur la liste électorale et penser à l'avenir de leur pays. Je ne pouvais pas tout dire. Le système du Gangsta Paradise a vu clair dedans. Voilà pourquoi ils se sont intéressés aux petits. Nous, on a négligé. Quittez dans vos histoires de l'amour des différents partis politiques. C'est ça qui a détruit le petit là. C'est ça qui a détruit son mouvement. Dans son cœur, il portait un parti politique. Nous tous, nous le connaissons. On n'a pas laissé le petit bien programmer et jouer son programme comme ça devait être. On a commis une erreur grave. Vous comprenez donc pourquoi les cartes d'identité ne sortent pas? Vous comprenez pourquoi le passeport sort si facilement? C'est parce que la jeunesse est une âme fatale. Si le passeport sort, c'est parce que la jeunesse doit repartir. Les gens là n'ont jamais aimé les Camerounais. Un gouvernement qui n'aime pas la jeunesse, ça veut dire qu'il n'aime pas le Cameroun, il n'aime pas son pays. Le passeport sort, partez. L'âme fatale, partez. Nous les vieux, on va rester, on va bavarder, ça ne va rien changer. Prenez l'exemple dans les autres pays. Les qui ont changé les choses, c'est la jeunesse. Now you understood why they decided to put hand on him.